dans la note en chantant, ce rendez-vous de chaque dernier lundi du mois entre 19h et 20h. Retrouvez et passez votre soirée avec les plus grandes voix de la chanson française, entre autres. Et pour commencer cette émission, à pas de thème ce soir, ou presque, juste je dirais presque un 50-50, on peut même le dire, puisque je vous propose d'écouter ce soir 5 titres féminins, 5 titres au féminin, voire même un duo. C'est pas la même voix, c'est vous aurez le droit à un duo. Et deuxième partie avec 5 titres au masculin. De la douceur, oui, de l'humour, de la tendresse pour ce programme musical qui, je l'espère, vous plaira et vous permettra de passer une excellente soirée sur les 103.10. Pour commencer ce programme, je vous propose donc côté féminin, Natacha Saint-Pierre, un titre, tiens, extrait de cet album Longueur d'onde. Bah, la nôtre, hein, c'est 103.10 MHz. Et pour quelques informations sur Natacha Saint-Pierre, sachez que de son vrai nom, elle s'appelle Natacha Saint-Pierre. Voilà, tout simplement. Mais ça s'écrit pas pareil. Sur son nom de scène, c'est Saint-Pierre P-I-E-R et sur son nom de l'état civil, Saint-Pierre comme Pierre, tout simplement. Chanteuse animatrice canadienne. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur elle, juste pour vous dire qu'elle est née le 10 février 1981. Et pour commencer ce programme, on l'écoute avec ce titre, donc extrait de cet album Longueur d'onde, là à l'amour comme à la guerre. À vous d'apprécier et de l'écouter. De moi, dis-moi
aussi pour Natacha Saint-Pierre, cette Canadienne à la très belle voix et un très bel album à écouter sans modération. Autre Canadienne, tiens, restons dans le même secteur avec Céline Dion. Eh oui, de sa province du Québec. Céline Dion, on la présente plus bien sûr avec l'ensemble de son œuvre musicale. Bon, on espère qu'elle va revenir bientôt sur scène, mais aussi avec un nouvel album. Bien sûr, on se souvient bien de son manager qui fut par la suite son mari, René, tout simplement, avec lequel elle avait eu des enfants, René Charles, Angeli, Eddie Angeli et Nelson Angeli. Pour sa chanson, je vous propose extrait de cet album S'il suffisait d'aimer, un très très bel album, hein, c'était presque ses débuts, hein, mais quand même bien entamé. La griffe d'un certain Gigi, hein, notre Gigi, notre Jean-Jacques Goldman, qui lui a écrit cet album. Je vous propose d'écouter Je crois toi, c'est tout simplement le premier titre de cet album de Céline Dion sur les 103.10.
Jean-Jacques Goldman sur cet album S'il suffisait d'aimer par pour et Céline Dion. Voilà pour ce troisième titre au féminin. Enchaînons sur le quatrième. Je vous avais promis un duo, le voici, avec Véronique Sanson, extrait de cet album Ces petits moments choisis. Un album des reprises, des titres réenregistrés, remasterisés. Et pour celui-ci, je vous propose d'écouter un peu d'air pur et hop. Et oui, un peu d'air pur après cette forte chaleur, cette canicule qui a sévi à cette mi-juillet pour notre belle Normandie. On a un peu suffoqué, mais bon, c'est passé. Et pour là, bah, profitons-en d'écouter la belle musique française, ces belles notes, la note en chantant tout simplement. Ce rendez-vous chaque dernier lundi du mois de 19h à 20h et à retrouver sur le site internet de la station, le www.radio-rvl.fr, rubrique les thématiques. L'émission d'ailleurs sera bientôt mise en ligne dans la deuxième partie de cette semaine. Pour revenir à Véronique Sanson, née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt, elle est une artiste française, chanteuse, pianiste, pianiste malgré ses soucis quand même d'articulation. On la voit souvent avec une orthèse à sa main, mais aussi auteure, compositrice et interprète. Donc on la retrouve avec ce titre que je viens de vous nommer, un peu d'air pur et hop, chanter avec une actrice. Hein. On a plus souvent l'habitude de la voir sur le grand écran, même au petit. Je vous propose de la retrouver avec donc Clémentine Myriam, actrice chanteuse française, née le 12 octobre 57 à Dakar au Sénégal. Et on la connaît plus souvent sous son nom de scène, Clémentine Célarié. Voilà. Voilà pour la petite information. Allez, on les écoute et c'est tout un plaisir. La terre entière. Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'on soit vraiment bien sur terre? Toutes les marées noires, c'est pas du hasard. S'ils nous volent mon avenir et puis tous mes souvenirs, ça leur fait pas peur. C'est infernal, mais c'est normal. Je voudrais vous lobotomiser pendant l'hiver. Pendant qu'il est encore temps de faire. Non, c'est pas nous, on obéit aux ordres. Non, c'est pas nous, on obéit aux normes. Laissez la main colorée. Non, c'est pas nous, les tout petits commis. Non, c'est pas nous, les tout petits fourmis. Plus de science à dessous. Ça leur fait pas peur. C'est
Les petits oiseaux jusqu'au bout. Hein. C'était un très très beau titre de Véronique Sanson, accompagné par Clémentine Célarié. Un peu d'air pur et hop, petit moment choisi. C'est le titre de cet album avec trois CD, donc le troisième en live. Pour la suite, continuons avec, et là je vous propose un souvenir. Un souvenir avec cette chanteuse belge qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps, hein, c'était le 7 mai 2018. Bien sûr, vous avez certainement reconnu Morane, Claudine Lippers, de son nom dans la vie civile, a été née le 12 novembre 1960. Je vous propose, puisque les Belges, va chanter la chanson d'un autre Belge ô combien connu, et il s'agit bien sûr de Monsieur Brel, avec La ville s'endormait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sous le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues, dont le corps sans sommeil. La ville
le cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde, qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi. Mais on ne m'attend point, je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel. J'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes au rire, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent, la mer se désenchante, je veux dire en cela, qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue. Jusqu'à la dernière note, Morane, souvenir de cette chanteuse belge, mais tant appréciée. Bon, bien sûr, un titre portant sur le port du Havre nous vient en tête, hein, forcément. C'était donc Morane avec ce titre « La ville s'endormait », une belle reprise. D'ailleurs, c'est un album dédié à Jacques Brel, hein, tout simplement. Et un album comportant 12 titres les plus importants, mais de très très belles chansons. Les chansons au féminin, bah, c'est presque terminé, puisque je vous propose notre cinquième titre. Il s'agit, on l'aurait pu l'appeler Juillet, mais non, elle porte son nom de famille, elle porte le nom d'un mois de parmi les 12, c'est pas celui de juillet mais celui d'avril. Zoé Avril, elle n'a pas fait beaucoup de chansons, un seul album, un album éponyme à son nom et son prénom, sorti en avril 2008, tiens, comme par hasard. Il est à noter d'ailleurs que cet album culminait à la 74e place du classement des albums français. Elle a également fait l'objet d'une série télé sur la 6e et sa petite sœur, la 9e chaîne. On va pas donner de nom, bon, vous avez tous reconnu forcément, W9, M6 en premier. Et pour ce titre de cet album Zoé Avril, album Zoé Avril, voilà, ça s'est fait. J'aime bien me répéter de temps à autre. Cet album sur lequel je vous ai choisi le titre numéro 3, Laissez faire la musique. C'est la note en chantant avec Manu, de 19h à 20h. Sur tes conseils, je tire un trait, je fais une croix, et je me placerai là où on ne m'attendra pas. J'apprendrai à faire mentir le fond de mes yeux, jusqu'à te laisser penser qu'il n'y a plus la place pour deux. Et pourtant, c'est à toi que je le dois. T'as laissé passer la lumière, mais cette envie d'aller vers toi.
je la réfrène, mieux vaut la terre. Laissez, laissez faire, laissez, laissez faire, laissez, laissez faire, laissez faire. Je te fais ma parole et t'apprendrai à faire le deuil de notre petite bricole qui n'aura pas franchi le seuil de ton appartement. Et même si c'est dans tes bras que j'ai rêvé un instant pouvoir me lever quelquefois, parce que toi, sans même le savoir, tu ferais bien tomber des barrières. Mais cette envie d'aller vers toi, je la réfrène, mieux vaut la terre. Si je te déçois, mais je choisis la prudence, ferai comme si t'existes pas. Je peux jouer les sauvages s'il faut se protéger, ou être sage comme une image pour ne jamais rien dévoiler. Parce que moi, je suis susceptible. Parfois, j'ai vraiment un sale caractère. Mais si je bouillonne d'aller vers toi, je me réfrène, mieux vaut se taire. Je fais une croix et je me placerai là où on ne m'attendra pas. J'apprendrai à faire mentir le fond de mes yeux jusqu'à te laisser penser qu'il n'y a plus la place pour deux. Et pourtant, c'est à toi que je le dois de laisser passer la lumière. Mais cette envie d'aller vers toi, je la réfrène, mieux vaut la terre. Laissez faire. Avril Lavigne pour cette Nantaise, puisqu'elle est née à Nantes le 7 octobre 1980. Elle a tout simplement 38 ans. Cette Balance, voilà, un bon signe au passage. Allez, c'est fait. Pour la suite, ben, on va passer, on va enchaîner avec la seconde partie, puisque cette fois-ci, nous allons retrouver des chanteurs, tout simplement des titres au masculin. Et on va commencer avec un souvenir, avec celui dans lequel on va avoir une pensée le 2 août 92. C'est sa date de sa disparition, lors d'un match de tennis chez lui, dans le sud de la France. Il s'agit bien sûr de Michel Berger, ce pianiste, auteur, compositeur, interprète, mais aussi directeur artistique et arrangeur musical français, né le 28 novembre 1947. Et bien sûr, on le sait au passage, mari de France Gall. Pour l'heure, cet album, un très bel album, c'est plus qu'un album, puisqu'il s'agit d'un best-of avec la reprise de ses 18 principaux titres. L'album s'intitule tout simplement Celui qui chante, et celui qui chante, c'est Michel Berger, avec
un duo, un doublé de chansons, puisque il avait composé cette chanson pour un grand rocker, hélas aussi disparu, quelque chose de Tennessee, doublé avec Si Maman Si, c'est en public, et je vous propose de l'écouter, celui qui chante, Michel Berger, sur les 103.10. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, volonté de prolonger la vie, désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, force qui nous pousse vers l'infini, il y a peu d'amour avec tellement d'envie, peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, rêve en nous cet esprit à lui, quelque chose de Tennessee. Quelque chose en nous de Tennessee. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé, mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Grand succès lors de ce passage sur cette scène avec cet enregistrement en public. C'était un souvenir de Michel Berger qui, au passage, souvenir à Johnny Hallyday et à France Gall, bien sûr. Enchaînons avec un autre chanteur. Voici de cet album volume 10. Et là, je vais être grossier. Mais c'est le titre de cette chanson que je ne vais pas encore vous dévoiler. Le chanteur, c'est Marc Lucien Denis Lavoine, Marc Lavoine, hein, tout simplement. Il va bientôt fêter son anniversaire puisqu'il est natif du 6 août 62. Je vous propose de le retrouver avec ce titre. Oui, allez, je vais le dire, je me lance. Après tout, je cite sa chanson. Je rêve de ton cul.
Et voilà, c'est l'été, c'est sur les 103.10. C'était le quart d'heure coquin, la chanson coquine pour la note en chantant. C'est l'été et là, il fait chaud d'un seul coup. Alors, je vous propose de vous rafraîchir et de se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, c'est tout simplement le titre de cette chanson extraite de cet album Frontières. Et ça, c'est interprété par un certain Yannick Noah, né le 18 mai 1960. Ce chanteur et ancien tennisman, on se souvient bien de Saga Africa, sur lequel, lors de sa coupe, il l'avait chanté, et bien reprise à la queue leu-leu avec l'ensemble de son staff. Yannick Noah est tout simplement marié avec Isabelle Camus, auparavant avec Hutcher Stewart White, et tout en début avec Cecilia Rhodes de 1984 à 1987. Plusieurs enfants, bien sûr. Joachim Noah, assez connu quand même, hein. Monde sportif. Pour l'heure, on va l'écouter, hein, quand même, hein. Je vais pas trop parler non plus. Voici ce titre, Se jeter à l'eau. Thank you.
faire voir. Cette fois c'est le départ. La course qui commence. Nous aurons les mêmes chances. C'est l'amour, les jambes tremblent. Désir et peur se ressemblent. Se jeter à l'eau. Pourquoi risque-t-on tout si souvent? Rien de nouveau. Pour ne pas laisser gagner le temps. Se jeter à l'eau. La vie ne regarde que devant. Toche, toche, relisse. Let's go. Il suffit d'une ou deux secondes. Une pensée refond le monde. Prendre la peine maximale. Ne n'être jamais qu'en cavale. Quand on joue c'est double ou quitte. Nos cœurs battent un peu plus vite. Les résultats sur un mur. Les ongles en morceaux ça c'est sûr. Se jeter à l'eau. Pourquoi risque-t-on tout si souvent? Rien de nouveau. Pour ne pas laisser gagner le temps. Se jeter à l'eau. La vie ne regarde que devant. Tout simplement cette chanson très très entraînante de Yannick Noah, Se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, on continue puisque c'est l'été, on profite bien. Hein. Vous avez une piscine chez vous? Dites-le moi, j'arrive. Pour l'heure, on va continuer. Avant-dernier titre pour la note en chantant. La note en chantant, ce rendez-vous avec la chanson française. Alors n'hésitez pas à retrouver les plus grandes voix. Des fois, des fausses notes, il peut y avoir de l'anglais. Mais c'est très rare. J'essaye de faire attention et même des fois, j'avoue, j'en fais exprès de faire un petit panache. Mais bon, pour l'heure, c'est cet album, l'un de ses derniers albums en ligne, en titre. C'est tout simplement « Je serai là pour la suite ». Le nom de l'album, « Lequel de nous ?». Et là, je reconnais les groupies, les fans de Patrick Bruel. Ce chanteur, mais aussi acteur et comédien, Patrick Bruel, Ben Guigui, dans l'état civil. Je peux vous dire qu'il est très amateur de vin. Et j'ai même une dédicace de lui sur une carte de vin. Voilà, vous savez tout. Patrick Bruel, je serai là pour la suite. Et c'est tout de suite. La porte se ferme. Déjà, la clé résonne. Je suis là. Nu comme une pierre, et j'ai laissé toute ma vie d'homme dans une petite boîte au vestiaire. Au fond de mes poches, y a pas que des cadeaux. J'ai peut-être pas eu les bons grands frères, et j'ai suivi ceux qui parlaient trop. J'ai pris 5 ans à me taire. Dis-lui de pas grandir trop vite, que je serai là pour la suite et bien plus cette fois. Dis-lui de garder dans les yeux
ce bel éclat de feu dans lequel je te vois. Où est-ce que tu vas pour chasser les silences que j'ai laissés entre tes mains? Ici, tu sais, tu es mon innocence, mon seul ticket vers demain. Dis-lui aussi, pardon pour le cinéma, j'ai raté la séance. On ira voir le numéro 3, j'y serai même en avance. Dis-lui de pas grandir trop vite, que je serai là pour la suite, pour toujours cette fois. Dis-lui de garder bien ouverts les yeux clairs de sa mère. Dis-lui, toi, ce qu'il faut faire. Est-ce que j'ai le droit de te dire tout ça quand le parloir s'éteint? Ici, tu sais, tout perd son innocence quand tu t'en vas. Jusqu'à la dernière note, Monsieur Patrick Bruel. Il est passé dans notre région, à Caen et à Rouen. Il va bientôt revenir, notamment le 18 octobre à Caen, au Zénith de Caen. Mais pas de date au Havre pour l'heure. Donc on verra bien si dans le futur des dates de Patrick Bruel arrivent dans notre cité océane. Enchaînons avec le dernier titre. Tiens, on parle de cité océane. Il partait de la porte océane, justement, du quai Jeunesse Couvert. Un petit clin d'œil au dernier liner français. Il s'agissait bien sûr du France. Il nous reste que le nez. Mais des souvenirs aussi. Je vous propose de l'écouter avec ce titre extrait de cet album, La Dernière Danse. Michel Sardou, bien sûr, ça je ne peux pas vous le cacher, ce fils de ses parents comédiens, notamment on peut citer pour les parents de Michel Sardou, hein, Fernand, et surtout le charisme de Jackie sa mère, hein, Jackie Sardou. C'est toujours appréciable de revoir des comédies avec elle, ou même des sketchs, hein, et c'est vrai qu'elle plonge vraiment dans le piège. Jackie Sardou, Fernand Sardou, voici leur fils Michel Sardou sur les 103.10 avec un souvenir de ce paquebot légendaire, le France. Je pense à la vieille Anglaise, on appelait le Queen Mary, échoué si loin de ses falaises, sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille Anglaise, j'en vis les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve
et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser Milan. J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'océan. J'étais un bateau gigantesque, j'emportais des milliers d'amants. Qu'est-ce qu'il en reste? Un corps pour les cormorants. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté. Quand je pense à la vieille Anglaise qu'on appelait la Queen Mary, je ne voudrais pas finir comme elle sur un quai de Californie. Je ne puis grand navire de guerre. Triomphe pour monsieur Michel Sardou. C'était son concert d'adieu à la scène. La dernière danse, c'est le titre de cet album. Voilà pour ces quelques informations. Ainsi se termine la note en chantant sur les 103.10. Cette émission qui s'est scindée en deux parties, une première partie avec des titres au féminin, la seconde avec des titres au masculin. Vous avez pu entendre Natacha Saint-Pierre avec À l'amour comme à la guerre, Céline Dion, Je crois toi, Véronique Sanson accompagnée de Clémentine Célarier avec Un peu d'air pur et hop. Morane avec La ville s'endormait, suivi par Zoé Avril, Laissez faire. La seconde partie, messieurs les chanteurs, tout d'abord avec Michel Berger, Quelque chose de Tennessee, enchaîné avec Si maman si, c'était en live, Marc Lavoine avec Je rêve de ton cul,
Et Yannick Noah, je se jeter à l'eau pour se rafraîchir. Patrick Bruel, je serai là pour la suite. Et nous avons conclu l'émission avec ce souvenir de Michel Sardou, Le France, extrait de cet album. Album souvenir, puisque c'était lors de sa dernière scène en public. Je vous donne rendez-vous le mois prochain en direct sur les Centres Point 10, le 26 août 2019 à 19h précisément. Émission retrouvée sur le www.radio-rvl.fr, rubrique les thématiques, émission qui sera prochainement en ligne. Allez, très très belles vacances, au revoir les juilletistes, bienvenue aux Aoussiens. Allez, ciao, bye bye.